Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Track D. Aujourd'hui, place à une voiture japonaise, le Bolide, aligné par Toyota aux 24 heures du Mans en 2014, mais sous les couleurs de la saison 2016 du WEC. Nous sommes sur la piste Gilles Villeneuve au Canada, lieu du Grand Prix de Formule 1 du Canada, pour tester ce Bolide qui débarque en mode dans Assetto Corsa. Vous pourrez le retrouver, tout comme le circuit, dans la description. On porte l'attention sur un détail sur cette voiture, ce n'est pas un turbo, ce n'est pas un KERS, ce n'est pas un DRS, c'est tout simplement l'hybridation qui est très bien marquée dans la physique de cette voiture. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez une capacité aéro en virage très forte, mais surtout une réaccélération en virage mi et basse vitesse absolument démentielle, et vous n'allez pas décoller. Vous allez voir quelques freinages un peu hasardeux dû à une répartition de freinage un petit peu faite à la va-vite, mais sinon ce bolide a un comportement très agréable et qui correspond à ce qu'est un prototype, c'est-à-dire beaucoup d'aéro, beaucoup de vitesse en virage et une relance très performante. Seul défaut de cette voiture, tout comme dans la réalité, eh bien, c'est son manque de vitesse de pointe. On rappelle que la voiture pèse 870 kg pour plus de 515 chevaux, un couple à 500 Nm. Sa vitesse max est au-delà des 320 km/h, mais tout cela vous le connaissez bien puisque vous avez suivi les 24 heures du Mans, et pour nous ce sera très bientôt. Voilà, vous connaissez la tradition dans Track D, on monte le son et on profite un maximum du son de cette voiture qui est pour l'instant, je trouve, bien réalisée comparé à tout ce qu'on a pu nous proposer comme bolide hybride jusque-là.